Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Aujourd'hui, c'est le jour de repos d'Émile. Il a fait des courses et il s'est offert un cadeau. Et voilà, ça devrait aller. Une vraie merveille. Tu sais, Merlin, c'est un peintre célèbre qui a peint ce tableau. Il m'a coûté une petite fortune, mais reconnais comme moi qu'il la vaut largement. Une fortune pour un tableau de bateau tout à fait ordinaire? Si c'était le tableau d'un chien, ce serait tout de même plus intéressant. Il me rappelle l'époque où je naviguais. Il est plus vrai que nature. Oh, je suis sûre que je peux faire mieux. Tiens, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas suffisamment de lumière dans cette pièce. Je vais aller chercher une ampoule plus puissante pour que mon tableau soit mieux éclairé et mieux mis en valeur. Je pourrais être un grand peintre, je pourrais être célèbre. Oh, je vais utiliser mon collier magique. Voyons voir, qu'est-ce que je dois faire déjà? Il faut que je me concentre très fort. Fais que je devienne un peintre célèbre maintenant. Oh, ça n'a pas marché. Il faut peut-être que je cours après ma queue. Fais que je devienne un peintre célèbre maintenant. Pff, ça n'a pas marché non plus. Oh, si seulement j'étais un peintre célèbre. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Ça a marché! Je suis peintre! Ah! Un véritable chef-d'œuvre! Oh, Merlin, c'est toi qui as fait ça? C'est vraiment splendide! Je pense l'appeler l'arbre. Tu ne peux pas trouver mieux comme titre. Oh là là, je crois qu'il va pleuvoir. Dépêche-toi, allons vite nous mettre à l'abri. Oh non, j'ai oublié mon tableau. Il va être tout mouillé. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il ne sera pas abîmé. Quelle horreur! Tu as vu ça? Oh, tu sais, il est toujours très joli. Tu rigoles? Il est tout abîmé. Tant pis, je vais devoir faire de la sculpture. J'ai presque fini. Je n'ai pas peur de dire que c'est un chef-d'œuvre. Dépêche-toi de finir, s'il te plaît, Merlin. Je commence à avoir des crampes à force de rester sans bouger. J'ai fini. Tu peux venir voir. Eh bien. Je dois reconnaître que tu as fort bien travaillé, mon petit Merlin. C'est vraiment ressemblant, sauf que tu m'as fait un petit peu trop de ventre. Mais ne touche surtout pas, ce n'est pas sec. Oh non! Oh là là, je suis terriblement désolé. Qu'est-ce que je suis maladroit? Ah, ça, tu peux le dire. Mon chef-d'œuvre est carrément fichu. Oh, excuse-moi, Merlin, je n'ai pas fait exprès. Bon, bah tant pis, je vais essayer la photographie. Surtout, tu ne bouges pas. D'accord? C'est parti. Je n'aime pas les gâteaux. C'est pas grave, je ne te demande pas de le manger, mais de poser à côté et de faire comme si c'était ton anniversaire. Je vais prendre une photo de toi très artistique, qu'on verra dans tous les magazines et qui te rendra célèbre. Oh, d'accord. Que dois-je faire?
Tu dois juste regarder le gâteau comme si c'était un super gâteau d'anniversaire surprise. Dépêche-toi, Merlin. Surtout, tu ne bouges pas. Attention, le petit oiseau va sortir. Bonjour, Merlin. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'il est bizarre, ce gâteau. Je ne suis pas un gâteau, je suis un hérisson. Attends, je rêve. Tu m'as fait rater ma super photo. Oh, je suis désolée. Je n'aime pas les gâteaux. Et voici et voilà. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Mais cette fois, je dois faire en sorte que personne ne l'abîme. Non, tu es là, c'est parfait. Je voulais t'avertir qu'on fera une grande exposition demain pour permettre aux habitants des flots bleus de montrer leurs peintures, leurs sculptures et autres œuvres. Ça nous ferait grand plaisir si tu nous autorisais à montrer ton travail. Excusez-moi, vous pouvez faire attention à ne pas marcher sur ma peinture. Oh, désolé. Je vous remercie. Ça me plairait beaucoup de montrer mon œuvre à votre exposition. Après tout, ça sert à quoi d'être un grand peintre si vous ne montrez pas vos œuvres? Alors, on est bien d'accord. Je vais repasser un peu plus tard pour prendre ton tableau. Ça te convient? Bien sûr. C'est fantastique. Je vais enfin avoir l'occasion de devenir vraiment célèbre. Peut-être que je dois ajouter quelques touches de peinture et retravailler certains détails pour rendre le tout encore plus beau. Où est donc passé cette espèce de caveau dégénéré de Merlin? Oh, c'est trop drôle. On dirait que la malchance le poursuit. Je peux même participer. Merlin? Oh non! T'es en train de piétiner ma peinture! Mais oui, c'est tout à fait vrai. Oh, ce n'est pas malin ce que tu as fait. J'ai les pattes toutes collantes. Je me moque que tes pattes soient collantes. Regarde ma peinture. À cause de toi, elle est fichue. Arrête de pleurnicher. Tu n'as qu'à me peindre. Les gens adorent les tableaux de chats. Je ne peins pas les chats. Allez, ouste, dégage. Tu entends? Dégage. Et ne remets plus les pattes ici, sale matou. Quelle horreur. Toutes mes œuvres sont abîmées. Je n'ai plus rien pour l'exposition. Je ne serai jamais un artiste célèbre. Je dois en prendre mon parti et dire adieu à la gloire. Oh, Merlin, tu es là. Viens vite. J'arrive de l'exposition. Il faut absolument que tu y viennes. Non, je n'irai pas. Toutes mes œuvres sont fichues, alors je n'ai pas envie d'aller admirer celles des autres. Oh, s'il te plaît, Merlin. Je crois que ce que tu verras te plaira. S'il te plaît, fais-le pour moi. Puisque tu insistes. C'est une technique très personnelle. Quelle imagination débordante. C'est un peintre remarquable, un artiste digne de ce nom. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils adorent ce que tu as fait. Tout est abîmé. Comment ça peut leur plaire? Les gens aiment différentes sortes d'art. Ah bon? Alors en fin de compte, je vais devenir célèbre. Mesdames et messieurs, je crois que vous serez d'accord avec moi si je dis que le niveau artistique de cette exposition est merveilleusement élevé. Il nous a été très difficile de décerner le premier prix, mais les juges ont réussi à se mettre d'accord. Et le grand vainqueur est, ni plus ni moins que... le chat! Un autoportrait de Oscar de chat. Ça, c'est monstrueux et c'est incroyable, un chat! Je déteste les chats! Oh! En fait, je déteste être un artiste. Si seulement j'étais chez moi. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. J'ai réussi. Adieu, les vilains chats, sans rancune. Je me suis dit que tu devais avoir un petit creux. Alors voici ton plat préféré. Hé, ça, mes amis, c'est ce que j'appelle une œuvre d'art.